du mal à s'accoupler parce que mes piles sont faibles. Comme dire. On verra mieux. Donc c'est parti, je vais essayer de reprendre. Donc j'ai arrêté ma DS. Mais comme ça, si genre je retrouverai un autre placement, si je retrouve le placement, on va pas me dire que j'utilise de la batterie parce que. Ouais, non, mais oui, en couleur, donc ça c'est bien. Yon, petit. Donc, en fait, je sais savoir pourquoi c'est ma première. L'autre partie sera. De mauvaise qualité, en fait j'avais fait un zoom là, j'ai pas du tout zoomé. Oh mais putain. Ah, j'ai réussi à trouver. Au niveau de la jouabilité, c'est un peu de la merde. Parce que. En fait, les deux boîtes. Enfin, les boîtes des jeux Game Boy. Enfin, de DS. Sont collées. À DS, donc je ne peux pas trop jouer. Ah. Oh. Je pense avoir compris. La fois du premier coup donc voilà. Ah, alléluia, genre pour l'intro des flous comme je vous le dis, donc j'arrête pour les intros, tu peux pas les mettre par devant. Donc Pokémon perd son intro et l'épopée de Pokémon type de secours bleu aussi. Enfin je sais pas si je vous mets la première partie. Enfin ça se trouve je vais trouver dans la deuxième. Non. Donc c'est mes piles, je crois au début que c'était ma batterie. Enfin c'est ce qu'il me disait. Puis... Donc il y a une coupure sans que je... Voilà. Pourquoi pas. En tout cas, je dormirai pas dedans, moi. Sachant que dans cette pièce, il y a que des Fantominus, des Spectrum, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis on est plus passé grâce à une version de Game Boy Advance Pokémon, bien sûr. Parce que si vous mettez genre un sprint de Sonic, ça va marcher. Putain. Ah bah là. Non, je ne toucherai pas au cadrage, il est déjà assez bien. Ah voilà, et donc voilà, Ectoplasma, niveau 16. Donc j'ai prévu des trucs pour la capture, hein. J'ai un Pokémon qui va me permettre de l'affaiblir, mais je sais pas s'il risque de tuer. Ça que j'ai un peu peur. Ah bah voilà, Ectoplasma. Donc c'est, je l'ai aperçu sur... Mais oh bon, ok, il est su, je peux pas. Moi ça je suis maudit. Donc voilà, donc tout place mon étape à la top. Ah, oui. Ah, nickel. Grâce à Bizmoul qui permet de capturer un Pokémon attrapé. Donc voilà. Donc je suis d'après dans mes souvenirs, je sais pas si vous l'aurez en infini. Ça je sais pas. Mais je vous ai quand même montré les trépassements.
Ah bah si, vous pouvez l'avoir à l'infini. Bon bah, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui le sont. Pour ceux qui veulent avoir l'ectoplasma sans avoir besoin d'avoir un Phantominus et un Stephon, vous arrivez ici, vous mettez votre jeu de GBA de Pokémon sur votre sur votre DS5, hein, vu que la DS5 est aussi, dans les souvenirs aussi, un port pour les jeux Game Boy Advance, et à partir de la DSiXL et la DSi 3DS, ceci n'existe pas, donc vous ne pourrez pas jouer au Game Boy Advance, au jeu Game Boy Advance, donc voilà. Donc grâce à... parce que vu que je ne peux pas faire les modifications de la Sound of Movie Maker, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps. En fait, faire montage avec une vidéo grâce à Windows Movie Maker permet aussi de, je sais pas, moi en tout cas ça me le fait, ça met moins longtemps qu'une vidéo classique que j'aurais enregistré. Genre par exemple, je prends une vidéo de, genre j'enregistre par des SMIM, chose que j'ai fait il y a pas longtemps avec toutes les attaques spéciales de Luffy dans le One Piece Icon Battle 2. Par exemple, si je l'aurais mis directement sur YouTube, si j'aurais mis du temps à le mettre. Alors que là, j'ai passé sur Windows Movie Maker et j'ai mis qu'une minute pour pouvoir le mettre. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression de faire des montages, ça permet de ralentir un peu sur YouTube le temps de publication. Donc là, j'ai encore passé une heure à attendre que la vidéo passe. Les deux parties, donc celle-là est beaucoup moins longue, je crois, que la deuxième. Donc la première. Ouais. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais du cadrage pour l'équipe de Scoop Bleu, avec l'écran du pack ici présent. En fait, c'est celui-là, et donc je devrais faire comme ça et bouger avec ça. Alors, faut pas faire comme ça, mais passer mon temps comme ça, alors sachant que voilà, l'écran tombe. Alors voilà quoi, je peux pas, donc je serais obligé de porter l'appareil photo. Voilà, je suis obligé de le porter pour alors que Perle, ça va, regardez, je reste comme ça, niveau du cadrage. Enfin, vous voyez pas le bas d'écran, mais ouais, je vois pas pourquoi. Enfin, il est pas intéressant. Donc voilà, donc d'ici là, j'espère vous retrouver, donc dites-moi par commentaire, hein, si vous voulez, ou sur la première partie, ou la deuxième partie, ou sur notre vidéo, comme vous voulez. Si ça vous fait pareil pour les vidéos, vous aussi vous mettez du temps pour les mettre sur YouTube, sans montage, hein, je parle, parce que avec montage, je sais que ça va vite. Et merci aussi à... Donc on a quand même atteint, depuis 2-3 jours, je crois, les 5000 vues sur tous les génériques de Pokémon, donc preuve... que Pokémon plaît encore, même à ceux qui sont adultes. Je connais certaines personnes sur YouTube et Dailymotion qui font des vidéos sur Pokémon et qui sont un peu adultes, qui sont d'ailleurs adultes. Donc voilà, donc ça prouve quand même que en fait c'est quelque chose que vous connaissez sur votre enfance, donc c'est quelque chose que vous n'oublierez pas. Donc moi aussi, hein. En fait, j'ai connu petit, alors je l'oublie toujours pas déjà. Donc voilà, donc merci quand même à vous pour les 5000 vues. Et j'espère vous retrouver pour bientôt pour la suite des Woplou et Popé. Allez, tchuss.